Je m'appelle Abigail Milenka Aguilar d'Estel, je suis née à La Paz en Bolivie. Dans mon pays, on est riche en folklore et traditions et la danse en fait partie. Personnellement, j'aime beaucoup danser. Depuis toute petite, je suis passionnée par les langues étrangères. Cette passion m'a amenée à faire des études en linguistique et langues à l'université. Après 5 ans d'études, j'ai commencé à travailler comme professeur d'anglais, français et espagnol. En 2018, j'ai eu l'opportunité de partir travailler en France en tant qu'assistante de langue espagnole à Valenciennes pendant 9 mois dans un lycée. J'étais loin d'imaginer que ma vie allait complètement changer. Loin de ma famille et de mes amis pour la première fois, j'apprends difficilement à vivre seule. C'est alors que quelques mois plus tard, je rencontre Kevin, un Belge avec qui j'ai débuté une belle histoire d'amour. Le temps passe et on ne veut plus se séparer. On décide alors de se marier. Mais très vite, je dois rentrer dans mon pays afin de pouvoir obtenir mon visa. Pendant les procédures, la Bolivie entre dans une crise qui paralyse le pays. Ce qui me manque le plus ici, c'est ma maman. Étant fille unique, je suis très proche d'elle. Elle me manque énormément. Heureusement, nous nous appelons tout le temps. Malgré mon envie de retourner la voir, le coût et la distance n'aident pas. Je suis quelqu'un d'assez manuel et créatif. J'aime les activités comme la peinture, les dessins, les crochets, la pâtisserie, le bricolage. Je décide de reprendre mes études et d'échanger d'orientation. Adieu les langues et bonjour l'infographie. Je n'aime pas les grandes villes et Mons est l'endroit idéal pour ne pas ressentir de stress. Ce n'est pas facile de s'intégrer dans un nouveau pays, mais grâce à l'accueil qui m'a été réservé, je peux maintenant dire: je m'appelle Ali et je suis d'ici.